c'est lancé et on fait vite. L'idée, c'est de montrer la force d'une mère quand elle doit protéger sa famille et ce qu'elle est capable de faire. La mère, quand elle élève ses enfants seule, elle a deux casquettes. La casquette de l'homme qu'elle prend, je la trouve très 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 intéressante. Ce qui m'a beaucoup inspiré aussi, c'est parce que moi j'ai été élevé seul avec ma mère. Je me rappelle à l'époque, ma mère travaillait en mobilette et on habitait au deuxième étage. Et tous les jours, elle descendait sa mobilette et elle a monté au deuxième étage. Donc moi j'étais tout petit, je ne me rendais pas compte, mais en grandissant, je me dis quand même, elle a de la poigne, quoi, monter sa mobilette et la redescendre. Et moi je m'amusais à la démarrer dans la cuisine, quoi. Nos mères, elles sont venues en France justement pour qu'on puisse avoir un bel avenir, en fait. Mais dis, ton fils, il vient de se faire arrêter avec de la drogue sur lui. Il faut que j'y aille. Attends, je t'accompagne. Des fois, je me dis, oh, mais pourquoi ces histoires sont toujours un peu, voilà, de quelqu'un qui est là, misérabiliste, etc. Et là, on n'était pas là-dedans. Là, c'est tout d'un coup, ah ouais? Ah ouais? Eh ben non, ok. Je vais me relever, je vais me ressaisir et je vais y aller à fond. Donc en lisant le scénario de Jeff Taver, ça m'a beaucoup impacté, ça. À notre époque, une mère qui nous mettrait une gifle, je pense qu'on baisserait la tête. Aujourd'hui, une mère qui met une gifle à un petit jeune du quartier, il lui rentre dedans, normal, quoi. D'abord, je recherchais une mère... Moi, une femme noire qui est dans la quarantaine, mais je voulais pas prendre une femme africaine cliché. Je voulais lui donner un peu d'énergie, un peu peut-être la deuxième génération. Donc j'ai appelé Issa Maïga. Elle me propose Mata Gama, que je connaissais pas. Donc je l'appelle, voilà, on discute, je lui envoie le script. Et le soir même, elle me rappelle et jackpot. Elle est partante, le script lui a plu, faire de la boxe lui a plu aussi. Et puis elle a quelque chose dans le regard ou dans sa façon d'agir, on s'attache beaucoup. Donc ça a matché direct. D'ailleurs, Mata sur le plateau est très, très délire. Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment le côté que ce soit une maman qui tout d'un coup fasse quelque chose d'inattendu. Le côté assez exceptionnel de l'histoire m'a beaucoup plu. Donc quand j'ai lu le scénario, j'ai été très touchée par ça. C'est ça qui m'a impactée, c'est que je me suis dit, je ne m'attendais pas à ce que ce parti pris-là soit déposé, c'est-à-dire qu'elle va quelque part prendre son corps comme on prend les armes, quoi. Je voudrais prendre des cours de self-défense. Oui. Est-ce que vous donnez des cours intensifs? Après, en ce qui concerne les autres postes, les autres rôles, alors Daniel, je l'avais eu sur les réseaux il y a peut-être 6-7 mois de ça. Je l'appelle et puis je trouvais qu'il avait un regard. Justement, je cherchais le regard, pas du caïd qui est méchant, mais au fond, dans ses yeux, il fallait qu'on trouve un truc, qu'au fond de lui, il n'est pas si méchant que ça. Et c'est ce que je recherchais. Donc quand je l'ai proposé, il était grave content. Le rôle dans le court-métrage, j'ai un super bon rôle. Je ne sais pas si je l'interprète bien, mais j'ai un super bon rôle. Tariq, un mec badass de ouf, qui a v'là le flow. On trouve un nouveau terrain. Mais c'est pas comme ça, putain! Mais tu confasses quoi? C'est nos darons, Tariq. C'est pas la mienne! Et c'est un scénario qui est bien fait parce qu'il n'est pas de trop. Du style, ouais, effets spéciaux, enfin... pouvoir magique de la maman qui se fait casser la gueule au début et revient à la fin parce que ça y est, elle s'est entraînée. Non, ça fait grave réaliste parce que ça existe. Ce petit jeune Tariq qui lui pense bien faire parce que la plupart des jeunes dans les quartiers populaires se sont exclus face aux difficultés d'intégration dans les métiers. Donc ils choisissent pas toujours la bonne solution pour se nourrir. L'idée c'était de montrer quand même que ce jeune Tariq n'est pas un vrai caïd, mais pour lui, il pensait faire du bien, alors qu'en fait, sans s'en rendre compte, il fait du mal. Il te reste combien, là? 80. Et toi? Moi, j'ai encore rien vendu. Putain! Ensuite, pour Mariam,
C'est une petite que j'avais vue il y a un an, parce que je suis sur un long métrage qui s'appelle Cerise. Et je l'avais trouvée intéressante, donc j'avais parlé avec elle si ça l'intéressait de rentrer dans l'acting, quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas d'abord l'essayer aussi sur le court métrage, chose qu'elle fait très bien. D'un côté, c'est des histoires que je connais, qui font partie de mon quotidien, parce que moi aussi, je viens de banlieue, moi aussi, j'ai des amis qui ont des mères célibataires. Mais c'est vrai que c'était un rôle assez compliqué à jouer pour moi, parce que j'ai pas connu tout ça, moi, personnellement. Mais je me suis inspirée de beaucoup d'histoires que je connaissais pour pouvoir interpréter le rôle du mieux que je pouvais. Ça fera pas revenir Abdou, maman. Tu vis que pour lui. Au début, je les ai laissés un peu s'immerger dans le personnage et voir comment ils ressentaient le personnage. Je laisse toujours un peu de liberté au départ. Et puis après, je donne mes directives. Et puis après, on part sur des répètes bien constructives, bien découpées. Travail d'articulation. On a fait beaucoup de travail d'articulation qui était assez compliqué. Petite anecdote aussi, Daniel avait beaucoup de mal concernant l'articulation. Moi aussi d'ailleurs, parce que nous, jeunes, on a tendance à parler assez vite, à articuler. Et ça, c'est quelque chose de super important parce qu'on ne peut pas manger les mots. Il y a des intonations aussi pour faire passer un message. Et l'articulation, c'est quelque chose que j'ai dû travailler pour pouvoir faire passer le message et mieux faire comprendre les mots. Et puis ensuite, y a eu la chorégraphie pour le sport, quoi, pour la bagarre. Il n'y a que Mata qui est vraiment actrice dans le milieu et les deux jeunes, eux, anticiper des gifles ou faire une chorégraphie de bagarre, c'était pas simple. Tiens, s'il y a de la boxe, il va y avoir de la préparation pour de la boxe. S'il y a de la préparation pour de la boxe, je vais un peu taquiner cette discipline, là, voir un peu ce que c'est. Donc j'ai fait appel à Hugo Barrier, qui est un très bon chorégraphe. Et puis on a fait des entraînements qui étaient assez poussés. Bon, j'ai participé un peu pour les aider, mais je crois que j'étais un peu à la ramasse par rapport à eux. C'est pas simple de monter une bagarre d'une mère avec un jeune. Donc il fallait vraiment trouver le truc pour pas que ça fasse non plus l'un gagne, l'autre perd. Il fallait des esquives assez simples. Il fallait faire un mix de tout ça et Hugo nous a très très bien aidés pour ça. Et sur ce court-métrage-là, j'ai vraiment hâte de le voir, même si c'est un deuxième track et que je flippe à mort. Bref, mais j'ai vraiment hâte de voir, parce que j'ai hâte de voir comment tout ce travail qu'on a fait se voit à l'écran, comment il va être perçu, et puis moi aussi de le découvrir, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir un coach formidable. Il est formidable, ce jeune homme qui nous a coaché, dont vous mettrez le nom comme ça, en bas de la vidéo. Je voulais pas tourner dans une grosse cité pour faire cliché, pour éviter les clichés justement, et surtout montrer que cette situation-là, on pouvait la retrouver même dans les petits quartiers populaires. J'ai choisi Fresnes avec Almami qui est très bien vu là-bas, qui a grandi là-bas, Almami Kanouté. Et on a tourné dans le quartier des Grous, qu'ils appellent Grous Kling. J'aime bien dire que Almami c'était le maire de Fresnes parce que c'est monsieur qui connaît tout le monde, qui nous dégalère toutes les choses, qui sait à qui il faut s'adresser. Enfin, c'est vraiment... moi, je l'appelle le maire de Fresnes. Je ne connaissais pas du tout Fresnes. J'ai passé une semaine sur place avec une équipe que j'ai trouvée vraiment dynamique et sympathique. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais non, là, vraiment, il y a eu une ambiance. Moi, je me suis sentie comme avec des amis. Quand la fin de tournage arrivait, j'étais pas la première à ranger mes affaires et à me barrer. On restait, on rigolait, on discutait, on jouait à des jeux. Concernant l'ambiance, j'en garde un souvenir mémorable. C'était un truc de fou, hein, vraiment. Les gens étaient super gentils, patients. Des fois, on était stressés parce qu'on avait des problèmes de timing. Fallait qu'on se dépêche, mais c'était toujours dans une ambiance bien. Même Jeff faisait en sorte que nous, les acteurs, et même toute l'équipe, on soit à l'aise. On a eu toute l'aide
des habitants qui nous ont fait du thé, à manger. Ce qu'on retrouve dans tous les quartiers, quoi. Donc, soit grand ou petit, ça a été simple pour le tournage. Et puis bon, ayant grandi dans les quartiers populaires, il n'y a pas grand changement pour moi. Mais c'était vraiment sympa, comme tous les quartiers où j'ai pu tourner. Et, action ! La ville nous a beaucoup aidés. Même la salle de boxe, enfin on a tout. En fait, on a tout tourné là-bas. Ah, t'as pas aimé ça ? Aujourd'hui, c'est sport. Vous seriez avec la musique de Rocky. Aujourd'hui, c'est boxe. Rocky. Ça va pas jouer. Ah, bon. Non, je te jure. Sa réplique, là tu viens, qu'est-ce que c'est? Où est Hugo? Tu es là? Tu viens? Petite bourgeoisie qui boit du champagne. On t'aimait bien. C'est moi, Jean-Luc. T'as été biberisé? Ouais, bien sûr. Anecdote, pour la gifle, c'était des vraies gifles, je me prenais des vraies claques et à la fin des répétitions, j'avais les joues toutes rouges. Même à la fin du jour du tournage de cette scène-là, j'avais mal à la joue. Je peux ? Parce que, en fait, il y a eu un soir, ça enregistre ou pas ? Oui, non, je veux que tu enregistres justement. Ah, ça enregistre, ok, cool. Non, parce que, tu vois, par exemple, on a des clichés dans la tête, ok. Donc, mec, cité, tu vois, gars, Renoir, machin. Donc, tu te dis, c'est les mecs un peu machos. Et moi, je garderai en tête toute ma vie un soir où il y a eu un match de foot et où je suis allée regarder le foot chez un des potes de Jeff qui a joué dans Plus belle la vie, je dis son prénom, ce comédien. Bref, c'est un comédien, j'ai vu après qu'il a joué dans Plus belle la vie, adorable, très gentil. Et je me suis retrouvée la seule nana chez des mecs qui m'ont servi à manger, qui s'occupaient des enfants, la petite, les couches, le bib et tout. Et moi, j'étais la meuf devant le foot en train de m'exciter et de m'énerver à regarder le match. Et t'avais que des cums autour qui m'ont servi à manger, qui nettoyaient, qui rangeaient, qui s'occupaient des gosses et tout. Je me suis dit, mais c'est là que tu te dis, le monde, il est plein de clichés et en même temps, il est plein de surprises. C'était énorme. Et moi, cette soirée-là, j'ai presque envie d'en faire un court-métrage. Je te promets. C'était énorme, énorme. Tu veux jouer un peu avec ça ou pas? C'est-à-dire filmer un peu pour remplacer les listes. Je suis bloqué dans le rôle. Je te voyais filmer avec ton portable, c'est pour ça. Tiens. Coupé! Bon, ça marche quand même, hein.